tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis complètement déprimée pour les simples et bonnes raisons que mon vlog d'hier, donc d'avant-hier pour vous, s'est mis en ligne, comme une centaine de personnes a pu le voir, mais au bout de 12 minutes, la vidéo s'est arrêtée, s'arrête net en fait, alors qu'il y a une vingtaine de minutes sur la vidéo à la base. Donc ce que j'ai fait, je l'ai enlevé, pas le choix. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'une vidéo ça met quand même du temps, surtout une vidéo de vlog parce qu'il y a tellement de plans que franchement ça déprime. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai trouvé chez Nose avant-hier, que je vous ai montré dans le vlog, mais vous n'avez pas. J'ai trouvé ça, donc c'est une cuillère biberon, je sais pas si vous connaissez un peu, c'est à partir de la diversification alimentaire. Elle coûtait 1,79€ si c'est de la marque Nubi. Donc ça, je suis hyper contente d'avoir trouvé ça. Donc je l'ai pris, et également des sacs à couches. Donc il y en a 200 pour 1,50€, je sais pas si vous imaginez le truc. Du coup j'en ai pris 5 paquets. Et là j'en ai du coup pour très longtemps. J'aurais plus besoin d'en racheter. J'ai fait un stock. Hop, je range. Je voulais vous dire aussi, j'ai acheté quelques petites, enfin mon père m'a acheté quelques petites choses chez Du Pareil au Même, donc je vais vous les montrer juste après. Et j'ai commandé sur un site internet des vêtements pour Antonin à un prix, sans déconner, dérisoire. Et c'est pas chinois, hein, c'est de la marque genre Du Pareil au Même, Okaibi, tape à l'œil, tout ce genre de truc pour une misère, sans déconner, une misère. Je vous en reparle très bientôt, je devrais recevoir le colis après-demain. Faut vraiment que je vous en parle, je vais vous faire une vidéo complète à ce sujet et du coup un haul parce que ça vaut vraiment le coup. Mais un truc de malade, c'est de la naissance à 16 ans le site et c'est de la bombe, clairement de la bombe. Là je vais préparer Antonin parce que moi je suis enfin prête. Et excusez-moi, il est 9h15, j'ai l'impression qu'il est 2h du matin, quoi. Je suis crevée. Et je vais préparer Antonin, je disais, et je vais vous montrer tout de suite en fait ce qu'on a pris à Du Pareil même avec mon père. C'est parti. Il vient de ronchonner en fait, parce que monsieur ne supporte pas qu'on lui mette des manches. Je vous explique même pas, c'est la torture. Juste avant de vous montrer ce qu'on a pris à Du Pareil même, je te pose mon lapin. Tu vas rien dire? Non, ça va! Tiens! Voilà, super! Et puis regarde ton copain rouge là. J'ai oublié de vous montrer, chez Nose, j'avais trouvé ces bottes de pluie. Elles étaient à 6€ des Hello Kitty. Par contre, elles sentent hyper fort le plastique qui sent pas bon par contre. Pas le plastique qui sent bon. Donc, il faut que je les aère, mais elles sont trop canons. Elles sont rouges, je sais plus. Ouais, elles sont rouges. Elles sont trop belles. Oui, je suis là. Oh. Et je vais vous faire le petit... je voulais vous faire ça plus beau, mais bon. Si il ronchonne, ça va être un peu compliqué. Ces petits vêtements. Hop. Alors en haut, il porte un petit polo terre de marin qui est trop canon. Et en pantalon, c'est un petit pantalon Du Pareil au Même avec un petit poulpe, on va dire, qui est trop joli aussi. C'est pas possible hein, ce bébé. Ouais. Non, on va pas pouvoir te voir un petit peu. T'es dans le mauvais sens de la caméra. Bon allez, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a pris. Au bout d'un moment, il va falloir le faire. Donc en fait, on a été chez Du Pareil au Même, à Chinon. Et on a pris, enfin, il a pris quelques petites choses que je vais vous montrer. Ouh. Donc, on a pris un petit jean comme ça en 6 mois. C'est un basique qui est super sympa. Tac. Et il était à 14,99€. Ensuite, une petite chemise. Voilà, avec un petit croco.
et qui était à 16,99. Celle-ci avait, il me semble, moins 20% ou moins 30. Je crois que c'était moins 30. Ensuite, un gros coup de cœur, cette salopette qui est hyper chaude, elle est hyper hyper épaisse, elle est molletonne à l'intérieur. Elle est vraiment trop belle. Et celle-ci est à moins 30 sur 27,99. On a pris également un basique qui est un petit pull comme ça avec un col haut, 6,99. Des petites moufles à 8,99. Elles sont trop mignonnes et vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de l'attacher en fait avec le cordon pour pas perdre les moufles. Et un petit gilet qui était à moins 30 je crois sur 21,99 qui est en laine et qui est super joli, qui va en fait avec la salopette. Donc voilà pour les petits achats chez du pareil au même. Ça va mon lapin? Tu fais un petit sourire? A savoir que la carte du pareil au même coûte 4€ et valable à vie. Avant elle était valable pour un an mais maintenant elle est valable à vie. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Et en fait un point... Enfin, 1 euro égale 1 point, au bout de 200 points, vous avez droit à 8 euros, il me semble, oui, c'est ça, 8 euros de bon de réduction, bon d'achat. Et à l'anniversaire, à chaque anniversaire de bébé ou de votre enfant, vous avez droit à 10 euros de réduction, ce qui est vraiment pas mal. Je sais que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse, elle coûte quand même un peu cher sur certains produits, mais par exemple les basiques sont très intéressants au niveau prix, sont de hyper bonne qualité, donc c'est vrai que bon, on peut pas tout avoir on va dire. Donc voilà. Donc là on va encore, tu vois, on va monter un meuble, enfin le meuble de la salle de bain, on va changer en fait le meuble, on va poser du carrelage pour moderniser un peu parce que décidément c'est pas la joie ce matin. Bon bah c'est parti hein, maintenant on y va. Bon alors je ne comprends pourquoi ça ne fonctionne plus cette histoire. Du coup je ne le reposterai pas. Laissez ça là. Ouais, donc c'est bien ça. Ça reste. Alors, que je regarde de plus près. 28 minutes 40. Et ça s'arrête à 12 minutes. Ça ne va pas plus loin, ça fait un arrêt sur image. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. Bon. Bah, tant pis. Coucou mon lapin. Tu fais des sourires? Allez, un petit sourire mon lapin. Bon. On va voir où on en est, Dimitri. Donc là on a installé un chauffe-serviette parce qu'il n'y en avait pas et du coup il n'y avait pas non plus de chauffage dans la salle de bain. Et là on va remplacer cette immondité. Et voilà. Et on va également changer tout ça. Pourquoi en ce moment j'avais pas trop de vidéos, c'est
C'était expliqué dans mon ancien blog non publié. En fait, c'est que on fait des travaux chez ma grand-mère. Donc ça prend du temps. On part le matin, on rentre le soir. Donc voilà. Le pourquoi du comment. T'es content? Il bulle en ce moment. Là depuis 2 semaines. Il bulle énormément. Je sais pas en fait c'est dû à quoi. Le médecin m'a dit que c'était rien de particulier. Donc, je vais vous montrer où ça en est la salle de bain. C'est parti. Donc là en fait à cet endroit là il n'y avait pas du tout de carrelage. Donc là on repose par dessus un gris un peu tôt finalement. Donc là il faut remettre une couche de colle supplémentaire. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et là, je suis complètement bloquée parce qu'en fait, quand je veux le poser, il commence un petit peu à se réveiller. Et du coup, je ne peux pas le poser. Donc, je regarde des vidéos sur YouTube sur ce beau canapé de vieux. On adore. Et regardez, en fait, depuis quelques jours, il me refait. Je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si ça va se voir. Des petits boutons sur sa joue, je sais pas si vous voyez. Il m'en refait depuis quelques temps. Et depuis en fait que j'ai arrêté la crème. C'est une crème de chez Avène. Je sais plus trop c'est quoi la sorte de crème. Et en fait ça avait hyper bien marché. Ces petits boutons avaient totalement disparu. La peau était devenue toute douce. Maintenant elle est de nouveau rugueuse. Et... ça fait comme des boutons, mais sans faire de boutons, je sais pas trop. Je sais pas si vous voyez, c'est ça qui est fatigant, là. Donc je vais lui remettre sa crème à partir de ce soir, parce que c'est pas fameux. Voilà, je suis en prison. Voilà le résultat, je viens de le poser, et monsieur est réveillé. C'est quelque chose, on ne peut jamais, 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 jamais le poser. Je vais vous montrer où ça en est. Là. Ça avance, on voit pas trop avec la lumière artificielle, parce que c'est une lumière très jaune. Vous voyez ce beau lustre magnifique. Donc voilà, ça avance. Là-bas, il faut tout refaire, là. Super. Je suis en train de changer un tonneau et je viens de m'apercevoir qu'il me semble que je vous ai pas parlé des lingettes que j'utilisais lors des déplacements. Parce que dans mon organisation de sac à langer, je vous ai parlé des lingettes Pampers qui étaient avec du phénoxyéthanol, donc je ne l'utilisais plus. Et des Auchan qui elles n'en avaient pas. Donc c'était celle-là que j'utilisais. Mais depuis quelques semaines. Si on voit bien, s'il vous plaît. J'utilise celle de chez Rubin. Donc c'est de chez Aldi. Elles sont à 1,09€. Et il n'y a pas d'alcool, pas de parabène, pas de parfum, pas de phénoxyéthanol. Pas de colorant. Elles sont panthénol apaisant pour la peau, pH neutre pour la peau. Voilà. Et je vous montre aussi les ingrédients. Attendez que je vous mette bien là. Hop. Pour voir un peu. Il n'y a pas trop de trucs. Enfin d'ingrédients en fait dans les lingettes. Contrairement à certaines lingettes qui ont une blinde d'ingrédients à l'intérieur. Et qui ne sont pas forcément bons. Donc j'utilise celle-ci. Sachant que celle-là c'est les très douces. Et vous avez aussi les douces tout court. Qui elles ont du parfum. Donc elles doivent sentir sûrement le bébé. Ah d'accord.
Super. Il régurgite. Donc du coup c'est vraiment très bien. C'est ce que j'utilise maintenant et pour le prix. Donc j'ai fait un sacré stock parce que j'ai pas d'Aldi près de chez moi. Alors, je vais conclure mon vlog parce que là il est 18h et des brouettes. On va aller faire quelques courses avec mon père, là je l'attends. Et après on va manger, donc je vais pas filmer tout ça, en plus j'ai plus de batterie, super. Je voulais aussi, parce que je vous en ai parlé dans mon précédent vlog, non mis entièrement en ligne, du bilan des 2 mois d'Antonin. Donc Antonin mesure 59 cm et pèse 6,2 kg. Au moment de faire la pesée, il venait de manger, donc il m'a dit qu'il faisait un peu moins du coup, normal. Ah, j'ai mal au bras. Donc voilà pour les nouvelles. On devait faire le vaccin, mais du coup on le fera à 3 et 5 mois au lieu de le faire à 2 et 4 mois. Il dit que c'était pas grave. Il a prescrit des petits patchs pour éviter que la piqûre, en fait, le pique trop. Donc voilà. Après Antonin, c'est un bébé qui est hyper souriant, qui rigole beaucoup, beaucoup le matin. Il se tape des barres de rire le matin. En ce moment, il est un peu plus ronchon, j'avoue. Et en ce moment, il dort un peu moins bien. Je lui donne Gigos Pelargon. Et je me pose vraiment des questions. Ça lui a hyper bien facilité, en fait, au niveau des... mince, comment ça s'appelle, des coliques. Il en a plus du tout fait avec ce lait, c'était génial, magique du jour au lendemain. Mais là je vois qu'en fait c'est plus ce qu'il lui faut. Je suis en train de voir pour un nouveau lait. Donc si vous avez des conseils de lait qui ont bien fonctionné, je sais que le lait c'est aléatoire en fonction de l'enfant, mais si voilà vous avez des laits qui sont plutôt pas mal à me conseiller, je suis preneuse, sachant que j'ai essayé de Novalac et que ça ne fonctionne pas sur Antonin pour en fait la régurgitation et un peu de maux de ventre quoi. Avec le Pelargon, Gigos Pelargon, il n'a pas du tout de mal de ventre mais il fait des régurgitations. Je me demande si Gigos anti-régurgitation est bien. J'ai lu les avis, c'est mitigé. Et je suis un peu perdue avec tous ces laits. Et en fait là j'ai vu un lait qui m'a l'air pas trop mal et qui a pas beaucoup de régurgitation avec, c'est le Blédilet de Blédina. Je crois que c'est ça, Blédilet. Il me semble bien que c'est ça. Donc je me demande si je vais pas l'essayer, mais si vous avez des conseils de lait que je ne connais pas ou quoi, je suis preneuse. Sachant que là il me reste encore une boîte, donc d'ici une semaine, va falloir que je change le lait, donc on va voir à ce moment-là. Et voilà, c'est tout. Je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog parce qu'il est un peu tordu. Oui, je vous ai expliqué que je faisais des travaux chez ma grand-mère du coup, vu que je l'ai expliqué dans mon ancien vlog. C'est compliqué d'essayer de se retrouver dans ce qu'on a dit quand on a déjà dit quelque chose qui n'est pas mis en ligne. Mais je crois que c'est bon, tout est dit. Voilà, vous verrez l'avancée un peu des travaux. Là, au niveau de la salle de bain, c'est fait d'ailleurs. Il n'y a plus qu'à faire les joints. C'est tout je crois. Et il faut aussi faire... Là il est en train de faire les toilettes. En train d'enlever le... Parce que c'était du lino dans les toilettes. En train d'enlever le lino pour y mettre un carrelage. Donc vous verrez ça au prochain vlog. Voilà. Je vais vous laisser parce que mon papa arrive. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.